En septembre sur BTV. Quelque chose s'est réveillé. C'est l'événement de votre année télé. La plus grande saga de l'univers est de retour après 30 ans. Star Wars, le réveil de la force, remplit à la perfection son rôle de blockbuster cosmique. J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. C'est aussi la rentrée pour Maura Pfefferman, avec une nouvelle saison de Transparent. Toujours aussi juste, subversive, décalée et assumée. Bienvenue au pays imaginaire! Pan, un grand film d'aventure pour toute la famille, offre un nouveau regard sur le mythe de l'enfant qui ne voulait pas grandir. Au revoir, Peter. Rassurez-vous, j'arrête là. Une galerie de personnages décalés dans laquelle le jeu de mots est une performance. Assurément, la vie de Bruno Coppens, c'est un destin animé. Je suis un artiste. Le destin du funambule Philippe Petit n'a jamais tenu qu'à un fil. Le génial Robert Zemeckis lui rend un hommage vertigineux dans un blockbuster aux antipodes des blockbusters. Attention, Doc de Choc, le studio de la terreur. La propagande de Daesh, c'est rien d'autre que l'effet miroir de nos pires productions. Pour séduire les candidats au djihad, la machine à recycler les codes de la pop culture tourne à plein pot. Paul Giamatti fait face à Damian Lewis dans Billions, votre nouvelle série, un duel choc entre un producteur et un financier. Depuis quand c'est devenu un crime de réussir dans ce pays ? Rend des visites au cinéaste M. Night Shyamalan, le messie du thriller. Avec de visites, vous allez rire, pleurer, trembler et être ému. Clap de fin pour la série la plus influente des années 2000. Ne manquez pas la dernière et ultime saison de The Wire. Disponible dans son intégralité sur Via la Demande. Le documentaire Intégration Inch'Allah, une coproduction BTV, filme des primo-arrivants sur les bancs d'une école flamande. De quoi retourner certains vieux clichés nauséabonds. Il y a un Coran, il y a un Coran, il y a un nouveau Stephen King dans le monde des séries, ça se fête avec James Franco. 22-11-63 remonte le temps pour tenter d'empêcher l'assassinat du président Kennedy. Liam Neeson, ancien tueur à gages, a une nuit pour choisir entre son fils et la mafia, son ancien employeur. Night Run, une course haletante contre la mort. En septembre, c'est la rentrée sur BTV.